L'histoire de ce club, on a les années 60, 70, 90, 2000. Tout le monde est représenté pour ce dîner de Noël dans un cadre prestigieux. On est dans la galerie des légendes avec des complices qui sont des complices habituels. On a Romain Danzé qui est l'ambassadeur du Stade Rennais. Romain, merci d'être là. Et puis merci aussi à Cyril Lelgouache, le président du Stade Rennais History Club, d'avoir rassemblé autour de cette table ces gens qui veulent dire quelque chose, qui vont transmettre des choses aux plus jeunes d'entre vous qui nous regardez. On est sur un repas de Noël, on va raconter plein de choses, on va vous dire des choses que vous ne savez pas forcément sur ce club que vous aimez tant. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que vous vous connaissez tous? Ou est-ce que vous êtes découverts juste avant de vous asseoir à table? Pour certains, oui. Hein. Oui, plutôt. Hein, on se connaissait pas trop. Non, c'est vrai. Alors, il y a des gens qui ont joué ensemble. Par exemple, Louis Flock, vous avez joué avec Alain Cosnard. Oui. Oui, oui, oui. Ben, c'est pour ça qu'on se connaissait bien. Oui, ça c'est clair. Vaut mieux. Loïc Lambert, tu as joué avec qui, Loïc? Je connais tout le monde, même si je n'ai pas joué avec Romain. Loulou, Alain et Pete. Pete, c'est plus à travers les matchs que je voyais à la télé. C'est un match très important. Vous vous retrouvez tous dans la Galerie, des Légendes. Je pense que c'est important, ça, la Galerie des Légendes. Voilà, le club met à disposition une cinquantaine de places pour les anciens joueurs, dans un salon qui est dédié, et ce qui permet à, on va dire, à toutes les générations, en fonction des demandes des uns des autres, de se retrouver un soir de match, de faire connaissance, et c'est vraiment l'essence même du History Club, à savoir, c'est créer des passerelles entre les générations. Et effectivement, quand on voit... parce que là, c'est même deux générations. T'es en train de dire qu'Alain pourrait être le père de... Voir le grand-père. Mais la Brinque, il est membre History Club. Il va payer sa cotisation bientôt. Évidemment. Paye sa cotise. Ouais, paye sa cotise. Il a marqué l'histoire du club. J'ai une question pour vous. Il y a deux points communs entre Cyril Lelgouache et notre ami Pete Troipas. Il n'y a que deux points communs. Alors, techniquement, alors, non. Pas. Ça, c'est sûr c'est que pas la technique. Théorie, mais non. C'est sûr que techniquement, c'est pas ça. La largeur de cuisse non plus. Ouais. Non. Voilà. Ils ne sont pas gaulés pareil. Alors, il y a deux points communs. Est-ce que vous allez trouver? Cherchez, les gars. Il n'a pas joué à Nantes. Non. Le nombre de matchs. Parce que lui, il a joué à Nantes. Oui, le nombre de matchs. 112 matchs sous le maillot rennais, à la fois pour tous les deux. Ah, oui, d'accord. Bravo. Oui, je savais même pas. Ouais, Jonathan et toi, c'est 112 matchs. Parfait. Et le deuxième truc, plus compliqué, mais on l'a appris juste avant de s'asseoir à table, mais vous le savez là, les gars. Pas le nombre vous en avez parlé. Pas le nombre de cartons. Non. Non. Le nombre de buts? Non. Ah bah non. Ah bah non. C'est. Oh merde. À l'entraînement peut-être et encore. Ils ont eu un entraîneur en commun. Mais qui? Chut. Ah oui. Antonetti? Ah bah non, pas Antonetti. Ah, Laszlo? Mais non. Yves Colleux? Non. On en a parlé il y a 5 minutes. Noto. Didier Noto. Oui, c'est vrai. Didier Noto. Donc ils ont le même nombre de buts. Et ils ont eu un moment. Je cherchais où? Au Burkina. Au Burkina, oui. Sélectionneur. Il était sélectionneur. Oui, il a terminé. Combien d'années? Je l'ai eu que 6 mois. Ok. Je crois que c'est au tout début de ma... Quand j'ai été sélectionné, on a eu à faire 2 ou 3 matchs. Après, il n'est pas resté, quoi. Ouais. Ouais. Mais voilà, on lui a dit de partir. Ça s'est très mal passé parce qu'on a perdu 6-1 contre le Sénégal. Ah ouais, donc voilà. Ben voilà, les deux points de Burkina, tu gagnes pas souvent quand même. Avec le Burkina, tu gagnes pas souvent. C'était un jeu pour démarrer. Au tout début, oui, mais après, j'ai gagné quand même. Bon, un mot quand même sur Philippe Brinquin, et puis après on viendra au gars des années 60. Philippe Brinquin, ce qui est assez marrant, il n'y a pas si longtemps que ça, des supporters me disent « Ah ben nous, on adorait Fraille, Monterrubio, Grassi et Brinquin. » C'est vrai que c'est pas la même... non, c'est pas pareil. Mais c'est très étonnant. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette... Bon, c'est pas sympa, très étonnant, c'est pas sympa. Mais non, c'est marrant. Ça ne répond même pas. Qu'est-ce qui a marqué les gens à ton avis, Philippe? C'est plus simple d'être un peu bagarreur, ça plaît. Ça plaît de défendre les couleurs. Voilà. Bah, oui, Romain l'a fait vachement bien. Voilà. Tous ceux qui se battent pour le club, forcément, ça attire.
Ouais. Ça tient. Mais est-ce que ton look a joué un peu? Ouais, c'était lui mon. C'est lui qui me faisait. Non, l'idée générale, c'est ça. C'est voilà, se battre pour quelqu'un, se battre pour un club, se battre. Voilà, ils aiment ça. Les gens aiment ça. Je reviens au look, hein, parce que ça m'arrange en plus. Ouais. Les chauves, il n'y en avait pas beaucoup. À l'époque, non. Non, Barthez a un peu popularisé dans l'équipe. Après, il a lancé une mode. Ouais. Oui, t'imagines. Le mec était précurseur. Non, non, mais c'est particulier, mais les gens aiment bien justement ça. C'est vraiment ça qui. Voilà, encore maintenant. Voilà, un technicien, c'est bien, mais il y en a peu. Voilà. Donc un mec qui se bat, qui envoie, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est bien. C'est le côté, je sais où sont mes limites techniques. Ah oui, oui, il faut les assumer, en fait. Il faut les assumer. L'idée, c'est ça, c'est d'assumer ce qu'on fait sur un terrain. C'est aimer ça aussi, aimer défendre, c'est bien. Je pense qu'il ne faut pas exagérer quand même, parce que jouer à ce niveau-là... Ah non, mais on n'a pas dit. Ah oui, là, les limites techniques. Non, mais tu dis Monterrubio, Fry. Oui, mais ils n'avaient pas ta qualité de défenseur. Ouais, voilà, on peut en parler. Chacun son rôle aussi. Mais là, c'est un peu. Non, mais j'ai pas dit qu'il était. Non, de décoffrage. Non, mais l'idée générale, c'est de se dire voilà, le sport, il y a des techniciens, ok, très bien. Et puis il y a les autres. Donc il y a nous. Pour faire une équipe. Faut faire une équipe. Sans nous, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas possible. Ouais. C'est impossible. Et donc voilà, c'est un peu l'esprit. Donc ici, il y en a quelques-uns quand même, des guerriers. Là, je vois. Parce que là, en face de moi, j'en vois trois des techniciens. Toi, t'étais un peu au-dessus quand même. Et oui, d'accord. Ouais, d'accord. Non, on avait dit pas d'attaque. Pas d'attaque personnelle. Non, et puis après, voilà, c'est ça. Puis moi, j'ai aimé ça. Hein. J'ai aimé défendre. En fait, il faut aimer ça. Oui. Enfin, tu vois ce que c'est. Il faut aimer. C'est un état d'esprit. Louis Flug, Loulou, vous êtes le seul à cette table que je vais vous voir, parce que les autres, je les connais et... J'ai pas quand on vous voit. Ah bon ? Non. On peut se tutoyer alors. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment un gamin qui joue au stade Léonard Kreisker, donc on est à Saint-Paul-de-Léon, je dis ça pour ceux qui connaissent pas, comment est-ce que vous venez à Rennes, vous ? On est dans les années 60. Vous êtes très jeune. Tu es très jeune. J'ai commencé à jouer en DH... à 15 ans et demi à Saint-Paul. Surclassé. Surclassé, ouais, sûrement. Oui, méga surclassé. Ouais. Et j'ai même fait un match avant de venir à Rennes. J'ai fait un match. Tu jouais pas Non, je m'en rappelle pas spécialement. Coupe de l'Ouest à l'époque. C'est la Coupe de l'Ouest. La Coupe de l'Ouest, si, avec l'équipe 2. Ouais, voilà. Oui. Et donc j'ai joué contre le Stade Rennais. Et fin du match, c'était 1-1. Et puis après, il y a eu prolongation. Et pendant les prolongations, j'ai marqué 2 buts. Et je savais que les mois à venir, mais j'allais venir sur Rennes. Ah oui, tu savais déjà. Ouais, je savais, ouais. C'est quoi, c'est Jean Cobot qui t'avait repéré, non? Ouais, et puis il y avait M. Plier qui a dû me voir jouer. Et puis moi, à 15 ans et demi, j'allais déjà faire les stages à l'INS à Paris. Et là, par contre, je rencontrais des recruteurs du stade, recruteurs de Saint-Étienne qui venaient à chaque fois me voir. Alors petit, tu viens chez nous l'année prochaine et tout ça. Et puis je dis non, je vais à Rennes. Rennes, c'était le grand club de la Bretagne. Oui. J'ai eu l'occasion aussi peut-être de pouvoir aller sur Nantes aussi, parce qu'il y avait des dirigeants qui connaissaient les gens de ma famille à Saint-Paul. Et puis ils auraient bien voulu que j'aille aussi à Nantes. Et moi, c'était Rennes. Voilà, ça c'est un bon choix. Voilà, ça c'était un bon choix, oui. Oui, quand même. Voilà. Et puis, il faut aussi remettre dans le contexte, Louis, c'était ce qui se faisait de meilleur dans sa génération à cette époque-là aussi. Oui. Attention, on a affaire à un très, très grand joueur français. Voilà, on a l'international. Alors, Jonathan est international burkinabé, 82 sélections, si je ne m'abuse. 82 ? Oui. Mais Louis, c'est 16 sélections. Quelle année la première sélection ? Quel âge ? J'avais en 70. Ouais, les années 70, vous étiez pas né. Non, ouais, 70. Bah, il a fallu que je parte de Rennes pour que je sois sélectionné. Ah oui, d'accord. Ouais. Et en jouant en deuxième division, parce que j'ai signé à Monaco. Ouais. Oui, Monaco était en D2. Parce que quand tu quittes Rennes, où t'es un chouchou du public, un peu comme Philippe Brinquin. Moi j'aurais préféré à l'époque rester à Rennes, mais
il y avait une question financière. Oui, il fallait te vendre. Sylvester et moi, on a été, bon, été éjectés. Et Sylvester, c'est moi qui l'ai accueilli pour la première fois, quand il est arrivé à Rennes. Bah, j'ai joué avec lui. Il est venu manger chez M. Pleyer. Donc, qui t'hébergeait ? Qui m'hébergeait, donc j'étais le premier à le rencontrer. Ah ouais ? Ouais, on est devenus des potes après, ouais. Donc il y a eu Monaco, PFC, PSG, 16... Et quand je suis arrivé à Monaco, donc qui était en deuxième division, et j'ai été sélectionné en équipe de France en jouant en deuxième division. En D2 ? En ouais. D2. Ouais. Incroyable. Ouais. C'est non mais, voilà. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Puis il puis y a une précocité de Loulou Flotte que... Enfin, moi, je me souviens, petit, vous avoir vu Alain et toi, Alain, grand, sec, qui montait sur les corners pour mettre sa tête, et Loulou qui débordait, qui était extrêmement véloce, extrêmement rapide. Ouais, j'allais c'était, vite, une ouais. De, c'était une de ses grandes qualités. Ouais. Vous avez joué l'un derrière l'autre. Oui. Parce que toi, c'est Alain, tu étais derrière lui sur le terrain. Oui, derrière, oui. Tu étais comme moi, quoi. Oui, mais il arrivait que je passais devant. Oui. Ça, quand, bien. Quand il s'arrêtait. Quand il marchait. Donc, toi, tu es venu du Cercle Paulbert-Bréquigny, Alain ? Non, du Cercle Paulbert, tout court. Ah oui, pas Bréquigny ? Non, Bréquigny, il n'existait pas. D'accord. Non, et c'est mais en quelle année tu alors, arrives, Alain ? Moi, je suis venu... Mais mangez, les gars, parce que ça va être froid. Tu parles au stade ? Ouais. Alors, j'ai signé au stade en 63. Oh la vache. J'étais à faire les études à l'Arsenal de Rennes et ensuite je suis parti à faire les études à l'Arsenal de Puteaux, c'est-à-dire dans la région parisienne. D'accord. Voilà. Un gars de l'armement, toi, un peu. Voilà. Et aujourd'hui, Alain, c'est le joueur qui est sur le classement des joueurs qui ont le plus joué à Rennes. Tu es à la 9e place. Oui. Ça peut changer, mais oui, il y a un voisin là qui m'a pris une place là. Oui. Ouais. Romain a pris. Non, mais. Et c'est tant mieux pour lui. Moi, je voudrais savoir, Jonathan. Oui. Avant, comment ça s'est fait ton transfert à Rennes ? Parce qu'avant, tu jouais en Allemagne. Oui, en Allemagne, oui. Tu as joué à Fribourg et à Hambourg. Oui. Mais bon, je pense que voilà, quand je l'ai appris, c'est. Bon. Tu avais un agent. Oui, j'avais un agent qui m'a fait comprendre que le Stade Rennais me suivait. Donc, avant la fin de la saison, déjà, je savais qu'il y avait l'intérêt. Donc. Ça m'a permis de regarder un peu quelques matchs du Stade Rennais. Et puis bon, je pense à cette époque, ils ont terminé entre 5e ou 6e. Ils étaient qualifiés pour l'Europa League. On est en 2010-2011. Ouais, voilà. C'est ça, d'accord. Donc, qui est entraîneur là ? Antonetti. Frédéric Antonetti, oui. Donc là, ça m'a permis de regarder un peu. Et en début de saison, l'intérêt est venu. Et j'ai eu à discuter avec, à l'époque, Pierre Derossi. Voilà, qui m'a montré direct l'intérêt. Et le discours qui m'a permis de venir ici, c'était le coach, parce qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait de moi. Et ça a tout décanté. Et puis bon, j'ai pris la décision de venir, de quitter l'Allemagne pour revenir en France. Oui. Et pour moi aussi, c'était comme... une manière aussi de découvrir le championnat parce que en étant plus jeune, je me voyais plus jouer dans le championnat français que l'Allemagne. Bah oui. Et comment t'étais arrivé en Allemagne avant ? Moi aussi. Ouais. Ouais. Parce que les agents quoi. Ouais, c'est par rapport. Bon, c'est vrai que je suis passé d'abord par la France parce que j'ai fait des essais à Auxerre en étant jeune, à 16 ans. Mais c'était plus avec Giroud. Giroud. Ah Giroud était là encore. Oui, qui était là à l'époque. Oui, oui, c'est. Mais. T'es pas un joueur là, Giroud, toi. T'es pas... ah ben. Marc-Jean Divier. Ouais, c'est vrai. Donc je l'ai connu lui, Giroud, mais après je suis parti en Allemagne, à Fribourg, et l'intérêt, le coach, il a voulu me garder direct, donc j'ai pas réfléchi sur rester. Et il m'a donné le temps de m'adapter. Pendant une saison, je m'entraînais. Et après aussi, j'ai eu la chance de côtoyer quelques joueurs africains qui étaient déjà là, quoi. Donc, ça a permis une adaptation. Une adaptation plus rapide. Oui, parce que c'est pas facile, l'Allemagne. Oui, ouais, en plus, la langue. Moi, je me voyais déjà démarrer d'abord dans le championnat français. Donc, quand j'ai eu l'occasion de venir, en plus, Rennes, je voyais que c'était une très bonne équipe, de jeunes joueurs, talentueux. Donc, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, peut-être c'était le bon moment pour moi aussi. Et puis, quand tu arrives, tu fais 18 mois, incroyable. Oui. Le départ, c'était plus simple parce que j'ai été très bien accueilli. Il y avait déjà de très bons jeunes joueurs.
et le groupe vivait bien. Donc, et le coach aussi m'a fait confiance. Donc, oui. C'est ce qui m'a permis de... Dribbleur incroyable. Incroyable. Un dribbleur incroyable. Mais quand on est dribbleur, il faut avoir des joueurs... Bon, moi, à l'époque, dans ma tête, je voyais aussi qu'il y avait des joueurs derrière moi qui me permettaient de... jouer comme je voulais. C'était qui? Il y avait Romain Danzé, il y avait... Il respecte, il en revient, des gens comme toi. Il faut reconnaître, parce que c'est des joueurs qui te disaient tu peux faire comme tu veux, mais je suis derrière toi, quoi, voilà. Je lui ai braillé dans les oreilles. Là, il te respecte, mais je pense qu'il t'aurait moins respecté si tu avais joué contre lui. Si tu avais joué contre lui, je pense qu'il dirait pas la même chose. Ah oui, ah non, ça allait être un peu plus difficile. Il y avait une demi-finale, ouais, contre la Coupe de la Ligue. C'est vrai. C'est ça. Et donc, ouais, là, c'était... La demi-finale était au mois de février. Oui. Oui. Il y a une histoire. Tu vas là-bas. Tu reviens parce que tu t'habitues plus facilement à la chaleur qu'au froid. Hein. Oui. Ah, moi, je suis revenu au mois de février. J'ai jamais eu froid comme ça dans toute ma vie. T'étais tout maigre. J'étais tout maigre. J'ai jamais vu Michel Serrault aussi maigre. Non, mais j'avais perdu 7 kilos là-bas. C'est vrai. Ah oui. Ah ouais. Oui. T'étais comme ça. Mais il fait tellement chaud. Tu n'as pas faim. Tu bois. Faut pas rêver, il va pas être bon. Oui. C'est normal. Attends, mais si tu veux, on a besoin de lui. À cette époque-là, Pete, c'était notre monsieur plus. Bah oui. C'était lui qui nous déclenchait les matchs, c'était lui qui nous faisait gagner les matchs. Mais c'est pas lui qui a une demi-finale à jouer. Allez. Une demi, ils ont tout fait pour que. On met toutes les forces de notre côté. Pour que je revienne. Mais je comprends ça. Eux, ils espèrent que toi, tu sois bien, mais tu peux pas. Mais je suis revenu, peut-être que c'était bien pour l'équipe, mais même moi, bon, j'étais pas. OK par rapport à ma prestation, à mon rendement dans le match. Mais je pense que aussi ça a été un plus parce que l'équipe, en se disant que j'étais revenu, c'est ça a donné de la confiance à l'équipe. De savoir que tu étais là, ça a donné de la confiance à tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe finalement contre match contre Montpellier? On gagne 2-1, je crois. Hein. Ouais, c'est 2-1. 2-0 même, je crois. 2-0 même, C'était ici. Oui, c'est là où la pelouse est envahie à la fin. Il y a l'ambiance de dingue. On n'entend pas Luc Lambert. C'est marrant parce que... Il écoute. Qu'est-ce qu'on l'a entendu? Ça nous fait des vacances. C'est un gars qui est venu de Saint-Etienne, dites donc. La Coupe de la Ligue. Comment t'arrives de Saint-Etienne? J'ai pas fait exprès. Hein. Non. Oui, après 3 ans à Saint-Etienne, j'étais en fin de contrat. Je me retrouve dans une période où j'ai pas de club, j'ai des propositions et tout, ça me plaît pas et tout. Puis au fur et à mesure du temps, il se passe quelques semaines quand même. Puis là, je commence à m'impatienter. C'est moins difficile, hein? Non. C'est moins marrant. Non, mais ça a été une bouée qui m'a été lancée comme ça, et c'est surtout grâce à Mimi. Michel Le Millinaire, qui t'avait connu à Laval. Bien sûr, qui m'avait lancé à Laval. Et il se trouve aussi que je connaissais quand même beaucoup de joueurs à Rennes, qui étaient passés par Laval. Comme Michel. Ouais, Jean-Marc Mitton aussi. Non, il n'était plus au club. Mais bon, je connaissais beaucoup de joueurs. Jean-Luc Vasseur, avec qui j'avais fait l'armée. À l'époque, on faisait encore l'armée. Si on l'a tous fait. Non, Romain, tu l'as pas fait. Je peux dire qu'on était bien défendus, là. Là, je peux te dire que. Enfin, bref. Et donc, je connaissais du monde. Et puis, grâce à Mimi, il m'a tendu une main. Et je suis arrivé. Et il paraît que ton premier match, on parlera des premiers matchs des uns et des autres après. Ça, c'est pas bien de revenir sur cette. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, raconte-moi. Ça m'intéresse parce que je vous en avais parlé. J'ai passé de la pioule avec toi ou un an. Je vous ai dit. Non, mais attends, il nous a fait monter. Je vous ai dit. C'est lui qui nous fait monter. Alors attendez, on écoute Loïc Lambert. Je vous ai fait monter. On est en quelle année, Loïc? Au Mans. 94. 13. 13. Okay. 93. En plus, monsieur Lagouet, je laissais parler. Il faut dire. Monsieur Lambert. Avant toute chose, j'ai fait monter le club, moi, monsieur. Oh. Et depuis, on n'est plus redescendu. En fait, c'est ça qui m'a décidé, c'est que le club, à chaque fois, c'était qui est-ce qui est rouge et noir, qui monte et qui descend? Le Stade Rennais. Et en fait, c'était un challenge pour moi de faire monter le club. Et il n'est jamais redescendu depuis. Bien évidemment, grâce à moi un petit peu. Et on reparlera de la saison 97 tout à l'heure avec... Enfin bref, alors, l'histoire 94, du premier match. Premier match. J'arrive, donc en 93, j'arrive fin de préparation, donc pas prêt. Pas prêt, voilà. L'été. Premier match de la saison, Le Mans, Stade Rennais. À Le Mans.
Oui. Au Mans. Oui, au Mans. Ouais. Toi, t'es vraiment un Finistérien, par contre. Hein. Au Mans. Je ne devais pas jouer parce que je venais d'arriver. Mimi m'a dit « Non, non, mais je te laisse tranquille, tu vas te refaire la cerise, machin et tout ça. » Et il se trouve que le dénommé Patrick Guillou était, venait de signer au club aussi. Et ses papiers de transfert international, parce qu'il venait de l'Allemagne, machin et tout ça, n'étaient pas arrivés. Donc Mimi, la veille du match, elle a dit bah, « Loïc, je suis emmerdé et tout. Bah, malgré tout, tu vas venir avec nous. Bon, je te mets sur le banc, faut que tu sois prévenu et tout. Bah, y a pas de problème, Mimi. Il n'y a aucun problème. » Le match se joue, match un peu tendu, on n'est pas très bon. Enfin moi je jouais ça de l'extérieur, je venais d'arriver. Toi dès que tu jouais pas, dès que tu jouais pas les autres étaient pas bons. Hein. on est en D2. Ouais. D2, D2. Ah, oui, on est en D2. On joue pour la montée. Bah, on joue pour la montée. Premier championnat. Donc il loupe un pénalty je crois, de mémoire, et on mène. Non, on mène ou 0-0. On est à 0-0. On fait match nul de toute façon. C'est vraiment tendu, c'est vraiment tendu. On fait match nul, oui. À un quart d'heure de la fin, Mimi me dit « Va t'échauffer ». Bon, bah ok. Mais il me fait rentrer, 10 minutes. Et dans le même temps, Le Mans fait rentrer une recrue qu'ils avaient fait venir, Kofi Fiavo. Qui arrive de New York. Certains se souviennent de Kofi Fiavo. Ah oui, oui. Voilà. Très bon joueur. Il rentre, et puis moi je rentre juste après. Vous rentrez tous les deux. Encore une fois, j'insiste bien, je ne pouvais pas. Je n'étais pas prêt. Et en fait, il se passe que. C'est première action. Première action. Enfin, ma première action. Oui, sa première action. En fait, il veut partir sur le côté. Moi, je le tacle gentiment le long de la touche, mais vraiment un beau tacle glissé et tout. Et là, j'entends crack. Et je précise que sur le coup, il y avait pas coup franc. Il donnait la touche. Les arbitres n'étaient pas bons, je vous jure. Avec la VAR, je vous jure. C'était assez incroyable. C'était un coup du sort, ça avait craqué. Et à l'époque, quand l'arbitre voyait une grave blessure comme ça, d'office, il sortait le joueur incriminé dans la faute ou pas la faute. D'office, il sortait. Parce que ça faisait suite, faut pas oublier, à l'affaire Flerbantier. Eh oui. Voilà, qui avait cassé la jambe, c'était un joueur de Martigues qui avait cassé la jambe d'un joueur de Sedan. Et ce même joueur-là de Sedan, carrière terminée. Mais là, c'était un vrai tacle assassin et tout ça. Et ça faisait suite cette affaire. Voilà. Et il parlait de suspendre le joueur. Le temps de la guérison de l'autre. De l'autre, ouais. Donc autant vous dire, je venais d'arriver à Rennes. Il m'arrive ça, je me fais sortir, je comprends pas trop, mais après j'ai compris parce que c'était les règlements, voilà. Une grave blessure, toc, le joueur incriminé sort. Bon, je sors, mais après dans le vestiaire, ça a cogité, je venais d'arriver. Hein. Je dis mais merde, je vais être suspendu 6 mois, 1 an. Enfin bref, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais reçu un carton rouge, obligation de passer devant la commission de discipline, j'étais. Parti avec Gérard Le Filâtre. Ouais, qui était le directeur sportif. Et je lui avais dit, on passe obligatoirement au Mans, parce qu'il s'était fait opérer, Kofi Fiavo. Ouais, tu voulais aller voir Kofi Fiavo. Bien évidemment. Et en fait, il a été. Ça m'a rassuré, parce qu'il m'a dit, mais t'inquiète pas, Loïc. Fiavo qui dit ça. Ouais. Il avait déjà un trait de fracture au même endroit. Et il le savait. Donc c'était exactement au même endroit où ça s'était répété. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit... Tu n'as pas fait faute. Non. Bon, c'était de l'engagement et tout ça, voilà. Mais dans ma tête, j'étais beaucoup plus rassuré. Oui. Bon, il se trouve qu'après, on a été à la commission de discipline. J'ai quand même pris 3 matchs. Et même moi, dans ma tête, je me disais, putain, c'est quand même lourd. Alors qu'il n'y a pas eu faute, même s'il y a eu une blessure, mais... franchement, il n'y a pas intention de faute. Et pour clore l'histoire. Donc, dernier match contre Le Mans, parce que match aller au Mans, dernier match contre Le Mans. Oui, à l'époque, c'était vraiment en parallèle. On était monté depuis la veille. La semaine d'avant, et on rejouait le mercredi. Autant vous dire que je vais le balancer, mais Cyril Delgouache, on ne l'a pas vu pendant 3 jours. Et il y avait entraînement et tout, mais il n'avait pas assumé. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais attends, tu parleras après. Attends, moi je veux pas. Et donc et après, il dit qu'il n'envoie pas des tacles. Ouais. Il a fait la même sur Kofi Fiavo, tu vois. Ironie de l'histoire, donc dernier match. Rennes-Le Mans, stade plein, on fêtait la montée et tout ça.
On a un penalty, on domine. Hein. Oui, oui. Josse le tire sur le poteau. Josse Gourvenec. Et à 5 minutes de la fin, Le Mans jouait pour se maintenir. Il devait absolument gagner. En gagnant ici, il se maintenait. D'accord. Et nous, on était déjà montés. Ils obtiennent un penalty à 5 minutes de la fin. Qui le tire ? Mon Kofi Fiavo. Voilà. Il le marque. Et à partir de ce moment-là, moi, dans ma tête, mais c'était. Rassuré. J'étais. Oui. Ah, génial. Voilà. Ouais. Tu vois ? Ouais. Parce que pendant une année, franchement, j'ai pensé à cet épisode-là. Voilà. C'est dur, hein. Je voudrais qu'on parle de la saison 97. Alors, pour moi, vu de l'extérieur, est l'année zéro du nouveau Stade Rennais, du Stade Rennais moderne, celui qui permet de se maintenir. Tu commences mal, j'ai entendu année zéro. On va en prendre plein. Il y a 97, l'année zéro. Non, mais c'est l'année zéro parce que c'est bien. Juste après, la famille Pinault investit massivement dans le stade et le club prend une dimension supplémentaire. Qui est-ce qui est sur l'année 97 là ? C'est une année compliquée, tous les deux, Loïc Lambert et Philippe Brinquin. C'est une année très compliquée où Rennes est pratiquement tout le temps relégable. Ouais. Oui. En galère. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on sauve pratiquement notre saison en plein hiver. On a 3 matchs à domicile à suivre parce qu'il y avait eu des matchs de reportés. Et on gagne les 3. Ce qui nous permet de rebasculer juste au-dessus de la ligne de flottaison. Parce que sinon, c'était la galère. Mais on était à la rue, ouais. Pourtant, on avait une équipe pas mal. C'était pas mal, mais après. C'est qui dans l'équipe ? T'avais qui dans l'équipe ? T'as Brinquin et Lambert déjà. Ouais, ça a été une année compliquée, mais un truc qui était super bien. Dans le vestiaire, c'était top niveau. Ah ouais. Et top niveau. C'est ce qui nous a sauvés d'ailleurs. L'ambiance dans le vestiaire. Ouais. Et je pense que c'est ça qui nous a sauvés. Mais il y a qui avec vous deux ? C'est qui les autres ? Comment il s'appelait l'Allemand ? Bernd Hopsch. Oh, je t'avais lu en piole, j'ai dit non. Je reviens, Bernd Hopsch, il n'y a pas que Bernd Hopsch dans cette équipe de 97. Ah, il y avait. Et Tony, bon, il y avait, quand même des jeunes. Benoît Lebris, Régis Lebris commençaient à jouer là, à cette époque-là. Okay. Ousmane Dabo. Il y avait Mickaël Sylvestre. Il y avait plein de jeunes qui commençaient à jouer. Nicolas Gousset. Il y avait Laurent Guillaume, Steph Grégoire, puis D'Arche qui était arrivé. Et les Croupi. Gousset, Nicolas. Oui, Nico Gousset, tout ça. Et Kabaya, voilà. Goran, et Kaba qui est arrivé à l'intersaison. Goran, costaud, Goran. Ah bah, il avait des bras. Andurovic. Andurovic. Mais c'était j'ai jamais vu un mec aussi fort. Ouais. Aussi fort. Fort. Gardien de but, gardien serbe. Serbe, ouais. Il était serbe. Et puis il y a le dernier match contre Toulouse. Voilà. Ici. Ça, c'était la pression énorme. Là où Kaba marque le. Là où Kaba marque sur une passe. Jusqu'à un quart d'heure de la fin, le club est en Ligue 2, autant dire que. C'est le match, c'est Rennes-Toulouse. À un quart d'heure de la fin, Rennes est en Ligue 2. Il y avait Ronan Sana en face. Oui. Et puis après, Mika. Mika qui délivre un centre. Qui centre, ouais. À Kaba. Ouais. Kaba qui marque. Je pense que c'est la plus grosse brinque que j'ai jamais fait après un match. Alors oui, voilà. Alors, non, jamais. Bon, c'est vrai que c'est les éboueurs qui t'ont ramené le C'est arrivé, en effet. Je confirme. En survêtement, propre, digne. Toujours. Non, mais c'était une grosse fête. Et puis, c'est ça qui a déclenché la suite. La suite, ouais. Bah après, François Pinault. Et l'arrivée de Paul. Oui. Ah, Paul Le Guen, ouais. Et toi, Philippe, t'as vécu la transition. Oh bah c'était un autre monde, c'est passé tout de suite. Ouais, François Pinault arrive, c'est autre chose. Ouais. C'est encore autre chose maintenant, parce que là on est dans le. Voilà. Mais c'est vrai, il y a des bons joueurs sont arrivés. Il y a eu. Bernard, Lama ? Non, il y a eu Revo, Toff Revo. Ah, Toff Revo. D'abord. Ouais. Ah ouais. Toff Revo, il y a eu Dogon, il y a eu Harry Badje, il y a eu. Chabani. Chabani Nonda. Donc David Sommeil. Après, tu as des gens quand même. Tony Réveillère qui a commencé à monter comme ça, une carrière de fou. Oui, ça a changé l'histoire. Ça a changé, Ça a changé l'histoire du club. Ouais. Clairement, ouais. Il y a un gars discret, là, c'est Michel Sorin. C'est marrant, il n'est pas discret pourtant dans la vie. Ah non, on ne se rend pas, non. Michel, non, il écoute. J'écoute. Oui, c'est ça, c'est un sage. Il écoute et quand il parle, par contre, tout le monde l'écoute. Eh bien, on l'écoute, c'est ça. Oui, mais c'est ça, l'espèce d'instinct naturel, d'autorité naturelle. Non, le charisme qu'on appelle ça. Oui, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir quels sont les joueurs les plus... les plus spectaculaires, soit que tu as côtoyé Michel, soit que tu as affronté. Côtoyer, c'est François Mbembe, vraiment. Mbembe. Ah ouais.
C'était exceptionnel. Quand on voit le but qu'il marque contre le PSG, là, le but de la tête. Ouais. Ouais. C'est puissant. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Premier match de la saison. Ouais. Ouais. C'était magnifique. Ouais. Ah ouais. Le match. Rennes s'impose contre le PSG ce jour-là. Ouais. Il y a Patrick de la Montagne. Patrick, bah, ouais. Il te faisait briller les mecs quand même. Ouais. Après, en tant qu'entraîneur, c'était Petr Cech qui m'a impressionné, vraiment. Ouais. Ouais. Il fait du hockey maintenant, dis donc. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais. En professionnel, ah ouais, ouais. Sur glace. J'ai eu la chance de connaître des super joueurs en tant qu'entraîneur. L'équipe qui a, où il y avait Kim Karlström, Petr et tout ça. Ah oui, ça c'était Edman, Melchiot. C'était à entraîner, c'était exceptionnel, vraiment. Donc c'est plutôt sur tes périodes d'entraîneur que. Ouais, par rapport aux joueurs, ouais, parce que les joueurs en, qui j'ai joué, il y en a plein qui étaient bons. Et en adversaire, en adversaire. En adversaire. Merci Michel. T'étais pas obligé. Ils ont pas trop été cités. On t'a pas marqué quoi. Et en adversaire, Michel. En adversaire. Je vais te surprendre en disant ça. Il y a un joueur que j'aimais pas jouer, c'était Kuben. Vous vous rappelez pas de lui? Ah ouais, Kuben. Patrick Kuben à Marseille et à Nîmes. C'était quoi son prénom à Kuben? Patrick s'est joué contre Patrick Kuben. Il était infect. C'était un. Une masse. Mais Michel, il a tout fait au Stade Rennais. Entraîneur à la formation, entraîneur adjoint chez les pros. Je fais un tour de table parce que c'est intéressant, les joueurs, les joueurs que vous avez côtoyés les uns les autres. Loulou, le joueur que tu as côtoyé qui t'a beaucoup impressionné. Avec qui j'ai joué. Ouais, ou que tu as affronté par son talent, par, son, bah, par sa personnalité un peu particulière. Momo Zaleb. Zaleb. Moustapha Zaleb. Ah oui, ouais, Moustapha. Ah, ouais, ah bah ouais. Ouais, son nom est encore. Moi j'ai joué contre lui. Hein. Wow. T'as joué contre Moustapha Zaleb Bah, j'ai putain, quel âge Michel non, mais donne-nous ton âge. Non, mais vraiment, parce que on a jamais su. On a jamais su. On a jamais su. Allez, vas-y, dis-le. En fait, quand on a joué avec lui, il était déjà vétéran. Il a 18 ans, il avait déjà la barbe. Oui, bah oui, oui. Ouais, donc, ah ouais. Non, non, mais je suis bien. On a du mal à se dire qu'ils ont joué les uns et les autres contre le même joueur. Bah oui, quand tu vois Cyril, j'ai joué avec lui, il y a quand même 10 ans d'écart, donc tu vois. Oui. Ouais. Moustapha Zaleb. Sylvain Wiltord, je l'ai eu au départ, je l'ai eu comme, avec moi comme joueur, et après je l'ai eu quand il a fini sa carrière, je l'ai eu comme entraîneur. Oui, tu vois. Ouais. Ouais. Bon, je continue le tour de la table. Jonathan, c'est quoi le joueur contre le plus spectaculaire que tu as côtoyé ou que tu as affronté? Un grand joueur. Côtoyé, Van Nistelrooy. Ah, ouais, Van Nistelrooy. Ah, ouais. Oui, l'entraînement. Hein. Nous, on l'a pas vu. L'entraînement, comment il marquait les buts. Là. Ouais, à Hambourg. Il y a aussi Zé Roberto. Hein. Ah, Zé Roberto, ouais. Que j'ai eu à Hambourg. Donc, c'est des joueurs exceptionnels. Hein, ouais. Il y en a qui ont joué contre Georges Weah ici. Oui. Donc toi aussi. Bah oui. Bah oui, ça il a perdu les élections là. Je l'ai marqué. Oui, ouais. Il a perdu. Il a été président du Liberia. Ouais. Ballon d'or. Enfin. Quel joueur. Genre joué à quoi. Quel joueur exceptionnel. Moi, vous l'avez joué. Monaco et Paris. Ouais, Monaco et Paris, on a fait les deux. Au marquage individuel, j'avais essayé sur lui. Et alors. Bah il a marqué. Mais non. J'avais moins. Tu rigoles. Qu'est-ce qu'il dit. Mais non. J'avais moins de problèmes avec des joueurs comme ça, qui étaient des joueurs puissants, que des petits. Oh la vache. Et arrête, attends pour trouver les images. Hey, t'avances pas trop quand même. Je sais pas si tu te rappelles de ça, Monsieur Lambert. On avait joué Monaco et j'ai marqué Thierry Henry. Tu te rappelles ce match-là? Et puis, on joue et normalement, j'étais pas sûr de jouer. Attendez, ouais. Et j'étais pas sûr de jouer. Et puis, Loïc et moi, on était dans la même piole. On était à Monaco, on était bien, c'était l'hiver. Pas du tout inquiété par le, par le match qui arrivait. Par le terrain. Et puis, on arrive à la causerie. Bon, je dis, c'est impeccable. Bon, moi, je dis, je vais bien manger déjà. C'est gratuit, donc on mange bien. Finistérien mange bien. Putain, Philippe titulaire. Merde. Qui en face? Thierry Henry. Oh, ben, c'est parfait. Et Thierry Henry, voilà, c'est des gens qui, quand tu, voilà, tu sens qu'il y a. Même s'il était à des années-lumière de ce qu'il a fait après, tu sens qu'il y a un truc. Avant qu'on se mette à table, Loïc disait qu'un de ses plus gros fous rires,
c'est un but contre son camp de Cyril Lelouch. Je confirme. Ah, si on peut en parler. Est-ce qu'on peut en parler? Non. Non, mais là, c'est fini, le repas. Le repas. Ça avait été filmé ou quoi, non? Oui. Ah ouais. Ah non, mais on a l'image. Je pense que je peux. C'est quoi le truc? Je pense que je peux la retrouver. Écoute, mais c'est toujours pareil, c'est la même année où je suis arrivé. Deuxième match, le club a des grosses ambitions de monter. C'était une grosse saison. Grosse saison qui se préparait. Hein. Premier match au Mans. Mais non, ça devait être le troisième match. Ouais. Donc deuxième match à l'extérieur. On va à Niort. Et en avion. On va à Niort en avion, c'est un luxe quand même. Le club nous met dans l'avion. Le club nous. J'étais. Vous craquez complet. Non, mais c'est pas nous. Niort en avion. Vous êtes pris pour d'autres. Ah ouais. Hidalgo. Surtout avec des joueurs comme ça. Quand t'as des grands joueurs, tu les envoies en avion. Alors, et l'action, c'est quoi? Et donc, l'action. Au bout d'un quart d'heure, on ne fait pas une mauvaise entame. Non, c'était bien. Dans mes souvenirs les plus lointains, mais centre de la droite, mon Cyril tout seul, hein, à l'angle des 6 mètres, mon Pascal Rousseau dans son but. Rousseau dans les buts. À l'affût. Et là, mon Pascal Rousseau, lui, il doute. Et il dit, viens là! Non, ça vient! Où ça vient? Puis il est tout seul! Hein. Je m'apprête à contrôler, moi! Et là, non, contrôle lui! Il fait entre un espèce de contrôle et un dégagement. En fait, je sais pas si tu vois l'idée. Au dernier moment, à moitié dégagement. Mais je suis tout seul! Et là. Dans les 18 mètres, il n'y a pas un joueur! Ah non! Et il prend le ballon. Cyril, son pied, c'est un parpaing! Déjà, il faut le dire! Il était là, bon. Avec des bouts d'eau qui débordent, tu sais qu'est-ce qui sort. Il a pris le ballon à l'intérieur du talon, mais c'est inimaginable. Et en fait, il a fait ce geste-là, ça a tapé là, et ça a été mourir à l'opposé. Impossible. Et le pire. J'ai vu la vidéo. Oui, sur WhatsApp, sur le groupe WhatsApp. Ah ouais. Ah mais tu sais même pas comment il a fait. Mais non, sur le groupe WhatsApp de l'historique club. Je regarde et je dis, oh putain, les beaux buts. Là. Et c'est vrai que Brinquin a tué un enfant en Écosse. Ah oui, il a tué un gosse, lui. Ah oui, c'est vrai. À Livingstone, t'as joué 2 ans et demi à Livingstone. J'ai pas tué un enfant, mais... Non, ouais, sur un tu l'as fait très mal quand même. Ouais, contre les Rangers, encore. Et sur un tackle, il y a... Ça t'a plu, cette expérience Extraordinaire. Ouais. Ce qu'on jouait, t'as joué en... Vous avez joué au Celtic, quoi. Au Celtic, ouais. J'ai joué un Boxing Day au Celtic, 62 000, c'est énorme. Et puis, le mec, il part... C'est un international écossais. Bon, j'arrive en toute simplicité. Je tacle et puis le public est très proche, en fait. Oui. Très proche. C'est à l'anglaise. Ouais. Le ballon, il part. Pouf, dans les tribunes. Je shoote quelqu'un. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et on va, il y a, comment ça s'appelle, mi-temps. Je regarde dans les tribunes, les pompiers, les machins. Je dis, bien joué encore. Voilà, belle passe. Donc et puis on m'appelle. Puis on me dit, il y a un petit problème parce qu'il y a un gosse qui a pris la balle en pleine tête. Donc, shooté. Et là, je vais voir le kitman et je lui dis... Le qui ? Le kitman, le mec qui gère les maillots. D'accord. Je lui dis, donne-moi un maillot. Il me dit pourquoi ? Oui, parce qu'à l'époque. Bah, donne-moi un maillot, je vais donner aux petits, voilà, tu vois, pour remercier. Enfin, pour leur remercier. Du contrôle orienté. D'avoir redonné le ballon. Du contrôle orienté. C'est ce qu'il me dit, le kitman, il me dit c'est pour qui ? Bah, j'ai dit c'est un mec des Rangers. Lui, il est du Celtic. Il fait non, mais t'as pas compris, non ? Il me dit non. Et je lui dis tu vas me chercher un maillot vite fait, et puis tu me le donnes. Il dit jamais de la vie. Bah, j'ai dit arrête tes conneries, c'est un mioche, attends, arrête un peu, voilà. Parce que j'avais su après que c'était... Bon, il me le donne quand même. Donc je traverse le terrain, juste 5 minutes avant d'entrer, enfin 2 minutes avant d'entrer. Je monte dans les tribunes. Au milieu des supporters. Au milieu des supporters. Je te dis même pas la gueule, enfin ouais. Bref, très bien. Je lui donne, il était revenu. Et il a déchiré le maillot, non? Attends, je lui donne, m'embrasse, et après, c'est ça qui est bon. L'histoire, c'est qu'à chaque fois que j'allais chez les Rangers, après, ils applaudissaient. Chouette. Ouais, et le président des Rangers m'avait écrit un truc, avait écrit au club en disant You're a gentleman, machin. J'ai le courrier encore. Ah, génial. Ouais. Et à chaque fois que j'allais jouer contre eux, dès qu'ils disaient le nom, ils applaudissaient. Ils n'oublient jamais, en fait. C'est très particulier. Ouais, ils ont cette culture du foot. Voilà. Je ne me rendais même pas compte
comment avoir quelqu'un comme Pinot. Vous avez de la chance d'avoir Pinot. Mais si, on s'en rend compte tous les jours. Il faut saluer ces gens-là. Non, mais il faut les saluer. Quelquefois, on a. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est très intéressant ce que tu dis parce que on a connu. Toi, t'es arrivé, mais nous, on a connu avant le yo-yo, etc. Donc, ces supporters qui ont connu tout ça. Mais ces nouveaux supporters entre guillemets, mais ils ont autant de valeur que les autres. Attention, hein, qui n'ont mangé que le pain blanc. Oui. Mais ils ont connu que les années où ça va bien. La Coupe d'Europe, le machin, etc. Aujourd'hui, on a habitué nos supporters. Alors, même si c'est très bien, même si il se passe rien de grave, quand tu as deux, trois mauvais résultats, etc., globalement, ça se passe, il n'y a pas de problème. Mais tu vois bien que les gens, ils ont un niveau d'exigence, oui. Un niveau d'exigence qui est upgradé. Quand on regarde les infrastructures, le club, la vie du club, de ce que l'on fait, ce que tu animes, ce que vous animez, le centre d'entraînement qui évolue encore, est... Là, on touche quand même, on commence à être... C'est voilà, le stade réel, c'est plus ce qu'on a connu. On ne se trompe pas de maillot aujourd'hui, je ne pense pas. Ouais. Donc, voilà. Et puis, la joie autour de cette table. Bon, toi, Alain, tu es toujours resté habité ici. Oui, depuis l'âge de 4 ans, je viens au match. Oui, voilà. Ouais, donc, et puis, vraiment, Mister René. Michel et Loïc sont toujours dans le coin, en Ille-et-Vilaine, hein, même pour des Mayennais. Ils sont revenus habiter là. Cyril, tu travailles là. Le plus surprenant, c'est presque Jonathan. Parce que de voir un international burkinabé qu'un clip a son nom. Vous avez lu, est-ce que vous l'avez déjà vu le clip? Jonathan Pitrois-Pin. On l'a passé et repassé dans le vestiaire. C'est le seul gars ici qui a un tube à son nom. Hymne à un moment. Qui a un hymne à son nom. Pourquoi t'es resté là, Jonathan? Honnêtement, quand je suis arrivé à Rennes, j'ai beaucoup aimé la ville parce que, honnêtement, c'est là où mon premier fils il est né. Donc, pour moi, c'était l'endroit où je devais quand même, peut-être après la carrière, continuer à vivre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la ville. Quoi. Et quand tu es parti aux Émirats, parce que tu as joué aux Émirats, ta famille est restée là. Ma famille est restée là. Donc ils n'ont jamais eu envie de partir, donc non, non. Toi, tu es revenu Moi, je revenais tout le temps. Et tu habites ici? Oui, j'habite toujours à Bruges, donc dans la région. À Paris? Même quand je jouais à Paris, la famille était toujours ici à Rennes. Je faisais les week-ends, je finis le match, j'étais à Rennes. Et tu revenais, ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien, parce que c'est vrai, Cyril, que par rapport à d'autres clubs où les joueurs restent beaucoup... Dans la vie, ils ont joué. C'est un peu plus, c'est un peu différent. Effectivement, c'est pas différent, mais c'est un peu. Moi, au Stade Rennais Historique Club, on essaye de rassembler un peu tout le monde. Effectivement, on a un noyau dur de gens qui vivent ici. On a des gens qui sont répartis un petit peu partout. On a grosso modo 200 personnes, hein, 200 ex-joueurs. Mais qui sont un peu disséminés. Mais des Rennais qui sont restés ici, revenus ici, etc., on n'est pas si nombreux que ça. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, et surtout d'avoir des plus jeunes, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Parce que c'est important pour l'association d'avoir. Il n'est pas prêt à avoir des cheveux gris, Jonathan. C'est le seul à table de. Attends, il y a des teintures là. Parce qu'il vient de. C'est le Benjamin à table. Hein. Bon. Ah, c'est le Benjamin à la table. Après, il y a la danse, mais il fait des teintures aussi. Puis après, il y en a un qui n'a pas de cheveux. Mais l'autre, c'est. Il commence ça. En tout cas, je voulais vous remercier tous d'avoir été là, de vous être.